génération Hip-Hop Soul Radio. Yo, 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 c'est Balou, t'es branché sur le Turn Up Show. Comme d'hab, je suis accompagné du barbu monsieur DJ Titoï. Et on est avec Weshalor, Joule mon gars, ça va ou quoi? Ouais, tranquille. On est là et toi? Il nous a ramené ça le soleil. T'as vu ça ou pas? Il est bon. Il nous a ramené le soleil. J'avais un peu. Déjà, je tiens à dire que depuis que je suis passé dans le clip Weshalor, partout où je vais, on me dit: mais c'est pas toi dans le clip de Weshalor? Genre, tu m'as rebaptisé le mec de Weshalor. Je te jure. Je vais t'appeler Weshalor alors maintenant. Faut m'appeler Balou Weshalor. Bon, depuis qu'on s'est vu, il y a eu du mouvement. Je t'arrête jamais. Il y a eu, bon, My World, la réédition de My World. En avril, t'as balancé un délire gratuit, d'album gratuit. T'as même fait un petit Facebook, t'as dit: ouais, pendant un mois, je me suis absenté. On dirait que ça fait un an, etc. C'est vrai. Et là, tu reviens avec émotion, je sais pas. Émotion, émotion, ce que tu veux. comme tu veux. Donc, mec, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu manges, putain de merde? C'est quoi le secret? En fait, c'est depuis tout le temps que je fais ça. Ça fait que ça me gêne pas. Je rappe tout le temps, je suis là, je fais des sons tout le temps. Je me lève, quand je m'emmerde, je fais un son. T'as des sons de coffret là encore ou... Ouais, ouais, là je suis prêt jusqu'en décembre. Il y en a, il galère à sortir des albums. Il est prêt mais en fait, le truc c'est que tu vois, il a fait ouais, t'as des sons de coffret, tu vois. Normalement, tu dis: ouais, j'ai 4-5 sons sur le côté, on sait jamais. Il a fait quoi? Ouais, je suis prêt jusqu'en décembre. Eh, on est même pas encore en mois de juillet, tu vois. Ouais. Il est encore trop chaud. En septembre, tu vois. Au moins, ça se voit que c'est un passionné qui kiffe ce qu'il fait. Ah ouais, ben. Ouais. Ouf. pour kiffer, ça c'est sûr. Ah, j'aime trop faire des instrus, essayer de faire des nouveaux trucs et tout. Mm-mm. Je teste un peu, tu vois. Mm-mm. Depuis My World, je sens que ça se prend un peu plus la tête dans les clips, dans des concepts, je vois. Emotion, t'es en mode robot, tout ça. Ça a dû être des barres même sur le tournage. Ouais, c'était. Ouais, franchement, ouais. J'avais un genre de... pour faire pour qu'il te lève les jambes, tu mets un genre de pantalon vert à la Peter Pan, tu as vu. La vérité, on a rigolé avec Beat Bounce, franchement des bons clippers. Et c'est avec eux que tu réfléchis au concept? Ça se passe comment quand vous avez des sons? En fait, je suis arrivé, on a pensé un peu à l'idée de Robocop avec les clippers Beat Bounce, avec Mike. Et genre voilà, lui il a fait le synopsis. Après, toi, t'as joué le jeu direct. Et ouais, ben ouais, moi, ouais. Moi, s'il faut tenter, je suis là. Ouais, ouais, je vois ça, je vois ça. Et j'étais sur ton Insta, j'ai vu des affiches, Joule, Apple Music, un peu partout, etc., etc. Et ouais. Mec, là, t'es vraiment partout. Et Apple Music, y a pas de rappeurs qui ont fait des trucs avec Apple Music encore? Non, je crois pas. Hein. C'est un peu un bail de Drake, là, de Drizzy. Ouais, c'est chaud. De Drizzy Drake, là. Faut pousser. Je te jure, le mec pousser, est trop loin avec faut Apple Music. Pour voir plus loin, dédicace Believe Music Cast. C'est pour voir plus loin. Ah, ok. Bon, dans le son Emotion, tu dis: trop souvent, je me questionne, est-ce que ma musique est bonne? Dedans, tu dis des fois, tu veux pas rester seul, t'es parano, etc. Tu réfléchis beaucoup tout le temps à tes trucs, quand t'envoies, tu regardes les retours? Je réfléchis pas, non. Mais les retours, ouais, je regarde. Tu regardes les commentaires et tout, des fois il y a des trucs qui... Ouais, je regarde. Non, après j'ai l'habitude, moi, des critiques et tout, que tu veux que ça me fasse. Ouais, mais non, à ton stade... C'est toujours pareil. T'es... Je pense que t'as même plus à prouver. Ouais, ouais, je te jure. Ouais, franchement, là, si tu t'arrêtes sur un commentaire aujourd'hui, c'est que c'est chaud. Ouais, après là, je m'arrête à mes fans, tu vois. Ce sont les commentaires de mes fans. Après, s'il y en a, il veut rigoler avec moi, je rigole avec lui, tu vois. Pas de soucis. Ouais, je vois ça sur Facebook, même, tu réponds aux fans et tout. Hein. Ouais, tout le temps. Enfin, j'essaye le plus possible. Et toi, tu regardes les messages que tu reçois, que ce soit sur Insta, sur Facebook et tout? Insta, non. Des fois, de temps en temps, mais sinon, moi, c'est Facebook. Bon. Je suis sur Facebook. Quel genre de messages reçoit Joule? Que des messages de soutien. La plupart, c'est les messages de soutien, tout ça. Après, ça me dit, en ce moment, je vois des « tu réponds pas, tu me lâches des vues ». Désolé à eux, déjà, quoi, parce que je peux pas, des fois, je peux pas répondre. Je suis en train de travailler, je regarde juste. Mais après aussi, il y a les rageux aussi qui viennent. En ce moment, ils sont beaucoup de sorties. Mm-hmm. Et voilà, mais c'est bon signe. Moi, je sais que tu plais aux filles. Parce que à chaque fois que je dis que je vais interviewer Joule, il y a les meufs qui me disent: ah, tu peux lui dire ça, pas, c'est chaud, c'est une... Mais en fait, je te cache pas, moi, le phénomène Joule, je comprends même pas, en fait. Ça va non, trop loin, c'est trop. Vérité, ça nous dépasse. Fois, je descends, je passe au quartier, je descends comme ça, tac, je viens, je marche. Il y a des grandes chez moi. C'est des grandes chez moi, ils me disent quoi? Ouais, j'avoue, bon, tu vois, normal, ouais, ta génération, les rappeurs. Après, ils me disent: bon, gros, t'es moi, tranquille, mais quand Joule, il vient, t'as vu? Moi, bizarrement, c'est que des meufs, ils me disent: Joule. Franchement, est-ce que tu reçois des messages de meufs? Obligé, tu dois recevoir des demandes de mariage, des...
Ouais, des trucs comme ça et tout. Après. Tu calcules pas? Non, pas je calcule pas. Je réponds avec un cœur ou quoi, tu vois. C'est mes fans. J'essaie de répondre du mieux possible. Un cœur, je pense que t'as refait leur journée après le cœur. Voilà. Moi, j'ai un délire pour toi. T'inquiète, je te fais pas rapper, je te fais pas danser parce que t'as mal à la jambe, tu m'as dit toujours mal à la jambe. J'ai un délire pour toi. Aujourd'hui, on va faire. Il y a The Voice, nous, on va faire The Jewel. Donc, je vais te présenter trois personnes qui ont fait des covers, des reprises de tes sons. Ouais. Et tu vas devoir me dire ce que t'en penses, ton avis, etc. On part dans le The Jewel. Donc, c'est Tita qui a les covers. Ça, c'est le téléphone haïtien. En Y gravé dans notre cœur. Comme en Colombie, armée jusqu'au temps, c'est l'Amazonie. Comme en Colombie, armée jusqu'au temps, c'est l'Amazonie. Ne joue pas trop le mien, t'as soin de nos jours de son fille. Ne joue pas trop le mien, t'as soin de nos chérie. Il est dedans, lui. Il a la gestion là. Oh, déjà là, la gestuelle. Je te montre le deuxième. Bon, on va voir le deuxième. Déjà, lui, t'en penses quoi, le premier? Il a la gestuelle. Ok, deuxième. Je crois que je me fais trop. Il a pas tout. On peut tout trisser. Et que Dieu qui sait, je me décommence trop. Ils m'ont fatigué, sans de sa idée. À tout mon aise, ils me chèrent toujours ma parole. Oulala la 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 la. Elle a la gestuelle aussi, hein. Fatigué, ton saleté à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas laisser faire. Comme que l'on vous soirée, j'en ai rien à faire. Ah, vous, c'est mignon quand même. Ouais. Ouais. Moi, tu sais quoi, j'aimerais faire un son avec un petit comme ça, là. Sérieux? Je lui écris là, bien. Je lui montre bien les. J'aimerais bien faire un son avec un petit comme ça. Et là, le dernier. J'ai une idée. Ah lui, je l'ai vu. Bon, moi, je voterai pour le petit. Le petit? Le petit en deuxième. Ok, le petit, bon. Après, la vidéo va s'afficher à côté. Le petit, bon, tu as gagné le The Jewel aujourd'hui. Non, donc c'est toi le The Jewel d'or. Donc t'as entendu ce qu'il a dit. Si tu peux lui envoyer un petit DM, il va peut-être te répondre avec un cœur. Ça dépend. Bon, là on est en plein Euro. Je sais que t'es un grand fan de foot. Ouais. C'est quoi tes pronostics là pour l'Euro? Je sais pas, moi je vois. La France, je la vois bien. Hein. Franchement. Mec, les deux matchs là, il y a beaucoup qui m'ont dit ah je sais pas. Je sais pas, moi je. La vérité, j'ai regardé un match. Le deuxième, j'ai pas pu le regarder. Le premier, ils m'ont régalé, moi. Ça va. Hein. Donc la France. Hein. Ouais, la France. Ouais. Sûr. Après, j'ai vu l'Italie, ils ont bien joué. Moi je dis l'Allemagne. L'Allemagne, ouais. Toi, tu dis? Moi, je dis l'Allemagne. Je sais pas, hein. La vérité. Il y a la centrale. Là, j'ai vu, déjà, ils m'ont fait des doigts. Il y a la centrale, Juliette, qui secoue la tête. Là, apparemment, elle est dans le foot aussi. L'Allemagne, non. Non, l'Allemagne, non, personne n'est avec moi. Non, personne. Bon, bah. On va voir alors, France-Allemagne, on fait on Paris ou... Moi je dis allez, moi l'Euro, moi je dis Paris va gagner. Paris va gagner. Non mais, je tiens à dire que Nicolas... Marseille, ils ont déjà gagné. T'as vu en basket, oh, on fait l'Euro. Non, Tom, tu sais, on va pas parler de ça. C'était le feu en Marseille. Oh, on va pas parler de ça, tranquille. Juste, si c'est l'Allemagne qui gagne, ouais. Tu reviens et tu danses avec moi. Si l'Allemagne elle gagne pas, je danse pas, tu danses toi. Vas-y, je danse. Bah, moi je danse tout le temps. Je danse comme Brigante. Vas-y, direct. Bon, Emotion, on attend tous. Emotion. Déjà, j'avoue, je sais même pas. My World, il a fait. De quoi? On est à quoi la platine? On est où là? Je crois que j'ai fait disque. Double disque de platine. Putain, c'est chaud. Moi, je te jure, des fois, j'abandonne. Je m'arrête, je vois le or platine, après je calcule plus, je dis vas-y, ça va aller. Je sais pas jusqu'à où ça va aller, je calcule même plus en fait. Bah, j'espère un jour le diamant. Diamant, je te le sais. C'est beau, mais bon, je pense, je sais pas, parce que comme je sors trop d'albums à la filée, c'est dur de monter. Il y en a, ils... En fait, si tu le cumules tous, au final, ça ouais, fait quand diamant. Ouais, tu le cumules. Mais genre, quand tu fais qu'un album... Mais tu te rends compte, là, de ce que le mec, il dit. Il est trop bon. Il a dit normal. Ouais, je sais pas, en fait, je sors trop de trucs à la filée, c'est dur de monter. Ah, c'est vrai, ça coupe les projets. Non, c'est vrai. Bah, du coup, les gens, ils vont acheter l'autre. Voilà, tu as compris, ça s'arrête après. Enfin, il y a toujours des ventes, mais c'est vraiment
Voilà. Yes, bah force à toi mon gars. Et un dernier petit truc, je sais pas si tu connais Mojito, les cafés à Mojito, j'ai vu, il disait qu'il allait faire un feat avec toi. Me dire ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà, comme ça c'est clair. Ouais, ça, je vois ça partout, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ouais, en plus j'avais envie de leur dire, arrêtez, genre, c'est bon. Ouais. Je sais pas ce qu'il a dit, je sais pas ce qu'il a fait, mais voilà. Force à toi mon gars, d'ailleurs, je vois des petits qui tweetent, ouais, j'ai cité Jules dans mon sujet de philo et tout. Ouais, ouais, j'ai vu, en ce moment, il y a plein d'autres. Tu as vu les gars, ils font le signe de partout. J'ai vu, c'est chaud. Franchement, merci à eux, ils font le buzz. Ouais, je te jure. Force à toi mon gars et bonne continuation. Merci, vous aussi. C'est le diamant, platine. J'espère. Tout ce que tu veux. Je te jure. Mais on te donne la force, frérot. Merci, les gars. Yes.